à tous. Nous sommes mardi 8 février et hier j'ai décidé de castonner. Et j'ai castonné un projet que j'avais depuis longtemps envie de tricoter. Il s'agit du bonnet velvet. Le bonnet velvet, le voici. Et je vais le castonner dans cette laine là. Je vous montre d'abord les chevaux pour que vous vous rendez mieux compte. Voilà, il s'agit de la laine Les Exclusives de Yarneline, couleur Nikita. C'est une laine qui est 80% Merino Superwash et 20% Nylon High Twist. Voilà. Et ce projet, j'ai à cœur de le faire. Et pour moi, et pour ma petite pitchoune Clara, je suis en train de tricoter les chevaux. Donc mon cake est déjà réalisé. Regardez-moi ces nuances. La chaussette est déjà posée. Petite chaussette dans un tissu lisse Taylor que j'ai trouvé chez Woolbag. Et voilà le début de mon écheveau. Normalement, si je me fie aux mesures du patron, je devrais tricoter une taille SM. Mais je suis en train de faire mon écheveau. Petit point sur les chevaux. Je le fais toujours avec 4 rangs de bordure, des rangs de plus pour avoir la bonne tension. Idem ici pour avoir en fait les 10 cm au centre de mon échantillon pour être le plus proche de la vérité, même si je sais pertinemment que avec un montage, avec des bordures, cela peut modifier, mais du moins j'essaye d'avoir l'échantillon le plus proche. Vous fiez pas aux petits repères là, c'est justement parce que chez moi les petits projets, par leur taille, se tricotent beaucoup en soirée ou sur des moments de transport ou, et surtout en ce moment, sur des salles d'attente. Donc voilà, donc j'ai bien envie de le tricoter, bien envie de l'avancer, enfin... Juste les couleurs, quoi. Ça parle d'elle-même. J'adore, vraiment j'adore. Je limite, j'avais pas envie que le médecin arrive pour me prendre en rendez-vous tout à l'heure. Et pourtant, j'aime bien mon médecin. Hein. Mais donc voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve bientôt pour la suite. Ciao. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 10 février, il me semble. Mon échantillon est fini et il est bloqué et il est mesuré et tout va bien. Regardez-moi cette beauté. J'ai pas encore mis ma petite étiquette, mais est-ce que je mets des étiquettes sur mes échantillons? Juste pour me rappeler avec quelles aiguilles je tricote mes projets, avec quelle aiguille, pour quel projet, enfin... quel est le nombre de rangs de mailles de l'écheveau. Voilà. Et comme ça, je sais pourquoi je l'ai utilisé aussi, ce genre de choses. Donc voilà, mon centre fait bien 10 sur 10. Je suis contente. Et regardez-moi cette tuerie tricotée. Elle est trop, trop belle. Donc juste pour vous rappeler de quelle laine il s'agit, c'est de la laine Yarneline, Les Exclusives, le coloris Nikita. Et donc du coup, il a été fini il y a un petit moment, bloqué hier, du moins sèche hier, sec hier. Sauf que la vie de maman, la vie quotidienne, le premier montage aussi qui me prend beaucoup de temps fait que je n'ai pas encore eu le temps de tourner cette vidéo, mais par contre, hier soir j'ai eu le temps de faire mes premiers rangs de mon bonnet. Donc c'est un bonnet qui se commence par les côtes, que vous pouvez voir. Voilà. J'ai choisi un petit marqueur, ce coup-ci du Knitit. Voilà. Donc vous voyez ici, moi j'ai un petit montage avec une laine contrastante.
Il s'agit en fait d'un type de montage que j'aime beaucoup réaliser, qui est un montage en maille provisoire. Pourquoi? Ce n'est pas du tout ce que préconise le patron, mais moi j'aime bien quand mon bonnet ne. Comment dire? Quand on ne voit pas le repli des côtes après l'avoir plié. Je ne sais pas si je suis claire et on dirait un lapin comme ça, mais bref. Ma propre vanne m'a décontenancée, c'est. Bravo Alice! En fait, ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est de donc faire ce montage prévisoire-là pour le remettre sur des aiguilles une fois que j'aurai fait la totalité de mes côtes dans le but de les rejoindre avant de commencer le corps de mon bonnet. Et comme ça, bah, ça bouge pas et on est sûr que les oreilles, ils ont le double épaisseur. Il n'y a pas. Alors, je suis peut-être un petit peu trop rigoureuse, mais il n'y a pas un problème de plus de côtes pliées sur le devant et pas sur le derrière. Et bon, c'est la première fois que je le fais. C'est le premier bonnet que je me fais pour moi. Donc, je vais voir si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Sinon, je changerai, je modifierai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, sur mes prochains modèles, hein, parce que. À moins que j'ai envie de tout redétricoter pour tout retricoter. Why not? Et si ça me va, par contre, je referai la même chose pour Clara. Parce que je me suis aperçue sur les bonnets bébés que je lui avais faits précédemment. Alors là, il n'y a pas qu'une histoire de maniaquerie. Un chat, un chat. Il y a aussi le fait que Clara, quand elle. J'aime bien faire le. Je vais la danse des lapins maintenant. Quand elle est dans sa nacelle ou ce genre de choses, elle se frotte comme ça quand elle dort. Et comme elle frotte avec sa tête quand elle dort, et bah, le bonnet bouge et le rabat tombe sur ses yeux, voire sur son nez si c'est trop gros. Et je trouve ça, pour le coup, presque dangereux pour un bébé. Et donc, du coup, je me dis que si ça fonctionne. Pour moi, pourquoi pas lui faire pour elle, ça éviterait ce danger de lui retrouver avec le nez obstrué par le bonnet. C'est une idée, on verra si je le fais ou pas. Je me remets en question d'ailleurs sur la taille de bonnet que je lui fais, si je lui fais un bébé ou un bambin, étant donné que les beaux jours se rapprochent beaucoup plus vite que ce que je l'aurais souhaité, pour être honnête, parce que j'aime bien mes petits tricots d'hiver. Et du coup, je me demande si elle va le porter cette année ou l'année prochaine, et donc du coup, dans quelle couleur je devrais le faire en fonction de ça. Nous verrons bien. Nous avons les oreilles de mon petit Nelson en vue. Nelson, présentation. Je vous présente mon chat, Nelson, qui va avoir 5 ans en avril prochain. Voilà, il se peut que vous le voyez de temps en temps. Welcome Nelson parmi nous. Par contre, s'il pouvait. Voilà, merci, c'est gentil. Donc voilà, je suis contente parce qu'on voit apparaître les nuances de la laine sur les côtes de mon bonnet. Et ça me met juste en joie. Je continue et je vous retrouve pour la suite. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 16 février, le matin. Je profite que ma petite dort toujours de sa nuit, pourvu que ça dure, pour vous montrer, je suis super contente. Hier, j'ai fini mes côtes. Donc voilà, j'ai les centimètres souhaités de côtes. Je suis contente. Et je vais pouvoir du coup m'atteler à mon rang de réunion. Je vous ai dit, hein, je voulais que mon pli ne bouge pas, que j'ai pas d'asymétrie ou genre de choses. C'est peut-être mon côté un peu tatillonne, hein, mais. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes aiguilles à l'intérieur des mailles qui sont prises dans mon rabattage provisoire au crochet ici, pour donc plier en deux. Et venir du coup rejoindre mes deux rangs pour avoir quelque chose de complètement fixe à ce niveau-là. Oui, ça va faire ça après. Voilà.
Et comme bébé dort, je me suis dit, je peux peut-être en profiter pour vous montrer comment je fais. Ça vous dit? Allez, on y va! Et nous revoici. Donc la première étape, ça va être de défaire le nœud juste ici. Et donc là, hop, vous voyez, je tire tout simplement, mais doucement, parce que vous voyez, ici, ça retient une première maille. Alors moi, ce que je fais, c'est quand je fais mes montages, je double les fils de façon à rentrer mon fil en même temps. Et donc du coup là, je vais venir récupérer mes mailles petit à petit. Il faut y aller assez lentement. Vous voyez, pour être sûr que le fil se libère bien. Vérifie qu'on prend bien toutes les mailles. Et on fait ça avec toutes les mailles provisoire de notre bonnet. Voilà, nous avons maintenant toutes nos mailles sur nos aiguilles. Je vais pouvoir enlever ce fil. Hop, nous n'en avons plus besoin. Alors, désolée, je n'avais qu'un câble plus long, beaucoup trop long. Donc du coup, je vais juste remettre mon aiguille, hop, bien en face. Voilà. Alors, il est possible qu'il y ait un petit peu de résistance sur les premières mailles. Ce n'est pas grave. Je tricote juste ma petite maille que j'avais laissée ici à l'endroit pour pouvoir bloquer mon marqueur. Joli marqueur. Donc, je tricote ma maille. Hop, voilà. Je passe mon marqueur, bien sûr. Et donc, c'est là que le travail commence. Donc, je vous ai dit, mes premières mailles de l'autre côté sont en double, c'est normal. C'était pour rentrer mon fil dans le même temps. Et donc, ici, j'espère que ça ne vous dérange pas, je tricote à la continentale. On va venir chercher donc ma première maille et donc du coup, ma première maille de l'autre côté composée de deux brins, mon fil et mon fil rentré. Et le tout sans prendre, se prendre les pattes dans le fil trop long de l'autre côté, dans le câble trop long de l'autre côté. Et donc là. Pardon, j'ai continué de filmer sans voir que l'on était coupé. Je continue donc et je vous réexplique encore un peu plus du coup comment on travaille pour être sûr de bien l'avoir. Donc première maille de notre premier rang. Enfin de notre rang de base. Le rang de montage, hop, et on glisse la maille du rang, la maille du montage, hop, et on glisse, et on fait tout ça jusqu'au bout.
Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 21 février. Et la bonne nouvelle, j'ai fini le corps de mon bonnet. Regardez-moi cette beauté. J'adore. J'avais un peu peur en me lançant en toutes ces nuances que ça donne pas ce que je voulais en termes de rendu, mais au contraire, ça écrase pas le motif, c'est. Waouh! J'adore. Ça, le bleu glacial est bien mis en valeur dans les petits cœurs, là, vous voyez, par exemple. C'est tout plein de relief, c'est tout beau, c'est. Donc voilà, c'est un point qui se tricote sur plusieurs rangs. Du coup, je me suis mis un petit compte-rang juste pour me repérer sur le numéro du rang du point. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, je crois que le point se fait en 4 rangs. Et du coup, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce serait presque une valse s'il y en avait 3. Et regardez-moi, juste, je vous le présente. C'est le joli petit compte rang. Voilà. De Mademoiselle Pluche. Si c'est pas trop mignon. Solène a eu la gentillesse, alors j'essaie de vous montrer bien comme il faut. Voilà. De m'offrir ce compte-rend avec donc la lettre C dessus. Et ça me touche beaucoup. Pourquoi C? Parce que c'est le prénom de ma petite fille, Clara. Ce qu'elle ne savait pas, Solène, c'est que c'est également l'initiale de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Et du coup, c'est une lettre qui compte beaucoup pour moi, vous vous doutez bien. Et je suis très symbole, vous le verrez. J'aime beaucoup. Je suis quelqu'un d'un peu sentimental en soi, faut se le dire. Fleur bleue. Tout ce qui tourne autour des émotions, c'est moi tout craché. Je ne sais pas faire autrement. Voilà. Et du coup. Les petits clins d'œil comme ça à des petites choses du quotidien, sont des choses qui me réconfortent. Et du coup, bah, ce petit compte-rend, il me touche. Il me touche énormément et encore mille merci. C'est super gentil. Donc voilà, donc j'ai encore plus envie, encore plus de plaisir à tricoter mon bonnet. Donc voilà, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est du coup je m'aperçois du rendu de mon accroche entre guillemets, de mes côtes 1-1. Vous voyez, parce que moi du coup je les ai fait, ça fait comme un tube en fait. Si je sais pas si vous vous rendez, voilà. Ce qui fait que j'aurais pas le pliure et donc du coup. J'aurais pas ce souci de me dire il n'y a pas autant de centimètres à l'arrière qu'à l'avant du crâne ou sur ma petite plus tard, bah, ça fera pas ça et ça lui bloquera pas les voies respiratoires. Je suis un peu maniaque dans ma vie. Voilà, vous savez tout. Vous apprenez à me découvrir un petit peu au passage. Donc voilà, du coup, il me tarde de commencer les diminutions. J'espère vous retrouver très bientôt. J'espère avant la fin de la semaine. Bon, oui, quand même, hein. Ouais, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Ce qui pourrait éventuellement me ralentir, c'est que j'ai des petits soucis avec. Avec ma petite princesse pour l'endormir en ce moment, et elle demande beaucoup sa maman, ce qui est trop mignon, trop chou. Voilà. Bref, assez parlé de moi. Je retourne à mon tricot, finir ce bonnet, même si à mon avis il fera un petit peu trop chaud pour le porter. Mais je l'adore déjà. Bisous. On se retrouve. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 février. Et j'ai fini mon bonnet hier soir. Regardez le moelleux comme il est beau.
Je suis trop trop contente de l'avoir fini pour la partie tricotée, du moins. Vous voyez, là vous avez les diminutions. Il est trop beau. Donc si je l'essaye, ça donne ça. Voilà. Sympa, hein? Alors comme ça, il me paraît un peu court, mais vous voyez, j'ai l'impression que j'ai de la latence. Il n'est pas encore bloqué. Donc du coup, je pense que je pourrais le corriger au blocage, tout simplement. En même temps, bon, ça va, en fait, hein, anti-sétant. Et je vous rassure, j'ai prévu un pompon. Alors, j'ai pas le retirer, hein. J'ai prévu un pompon, mais celui que j'avais prévu à la base me semble trop foncé. Voyez, pensez à ce genre de pompon-là. Mais il me semble trop foncé quand je regarde avec. Bon, vous allez me dire quoi que ça peut faire l'affaire, hein. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'un blanc, ce serait pas mieux? Pour ne pas écraser. Et pour bien magnifier la couleur du bonnet. Du coup, j'ai craqué et j'ai acheté des pompons. Alors pourquoi des? Parce qu'il y en aura une version pour la puce. Normalement. Oui. Donc je disais, j'ai acheté les pompons de chez Loli Lafay, parce que ce sont des pompons pression. Vous voyez, celui-ci, il y a une pression aussi. Mais je ne sais pas, enfin, j'ai pas voulu coudre cette pression-là en me disant, si c'est pas la même pression, je pourrais pas adapter avec le blanc. Et comme ça, bah, je me dis que si jamais, eh bah, je peux toujours changer de pompons en cours de route, en cours de passage. Voilà, je peux changer de pompon en cours de route ou en cours de passage, suivant mes envies, mes volontés, etc. Je trouve que c'est une super idée. En plus, bah, pour le laver, et bah, je peux enlever le pompon, comme ça ne l'abîme pas. Je crois qu'il y a une petite notice en plus pour bien prendre soin de son petit pompon adoré. Donc voilà, donc je pense changer de pompon. Le blocage. Pour le tirer un petit peu. Bien évidemment, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo là-dessus. Et avant de vous dire au revoir quand même, il me reste quand même pas mal de mon écheveau. Donc, rappel, j'ai fait une taille S, M et il me reste tout ça. J'ai pas encore pesé, mais il me reste tout ça et il me reste un écheveau en plus. Du coup, je me demande. Si j'ai pas la place pour faire une version baby, elle est à côté là. Une version baby et une version, enfin un col pour moi. J'avais craqué sur un patron dont bien évidemment je n'ai pas pris la référence. Mais c'est un patron que j'avais vu et sur lequel j'avais craqué depuis le compte de Caroline, mes flocons de laine. Et potentiellement, je pense que je vais me lancer là-dedans. Ouais, je crois que je vais craquer. Comme ça fera un combo pareil, pas pareil, parce que ce ne sera pas les mêmes finitions. Écoutez, je me laisse y réfléchir. On verra bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, chez moi, les restes de laine, je les épuise. Je déteste avoir énormément de restes de laine. Je trouve que c'est de la laine de qualité qui mérite une autre fin que de finir dans un bac et attendre un jour désespérément un projet. Et donc du coup, j'y réfléchirai vite pour avoir bientôt un nouveau projet avec ça. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, soirée, ça dépend du moment où vous lisez cette vidéo, et je vous retrouve bientôt, au moins pour le post-blocage, pompon, etc. Allez, salut! Hello, hello! On est mercredi 9 mars et on se retrouve aujourd'hui. Je vous montre enfin mon bonnet velvet avec son petit pompon trop mignon. Je suis trop contente, je l'adore.
Il est franchement, il est exactement comme je l'aurais espéré, avec toutes les nuances du coup. Hop là, ça ne fait pas une mise au point. Voilà. Avec toutes les nuances que j'adore. Et ce pompon, mais ce pompon. Alors, c'est un pompon en fausse fourrure que l'on peut trouver chez Loli la Fée. Celle-ci, c'est la couleur crème. Non, blanc. La couleur blanc. Et vous voyez, c'est duveteux, c'est poilu à souhait. On peut lui donner un peu de gonflant aux sèche-cheveux. Et surtout, il a une petite pression que l'on détecte à peine quand il est dessus, mais qui est bien pratique. Et il est pratique pourquoi? Bah pour changer le pompon si on veut changer de couleur. Ou plus pratique encore, pour passer son petit bonnet au nettoyage. Bon, même si moi je le nettoie à la main, hein, mais au moins comme ça permet de ne pas engorger le pompon plus que ça. Donc voilà. Je suis trop contente. Et d'un projet fini. Je suis ravie, je l'adore. Je sens que je vais beaucoup le porter, bon, plutôt l'année prochaine du coup, à moins qu'il y ait un gros coup de froid dans les prochains jours, je ne sais pas. Le mois de mars et ses surprises, vous savez bien. Je vous mets une petite vidéo portée juste après. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver avec un nouveau projet très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout un bon tricot. Ciao!